C'est pas un régulier PMU, mais c'est un régulier en tout cas de nos dîners, nos soirées, parce qu'on fait pas mal de terrain ensemble quand on est en déplacement. Je t'ai pas vu depuis un bon moment, comment ça va Alex? Bah écoute, ça va, on a 31, voilà, donc là, pour l'instant ça se passe plus ou moins bien, c'est linéaire, donc ça va. Et puis je suis posé dans le jeu et tout, donc ça va pour l'instant. Pas changé de table, toujours la même? Non, toujours la même, ouais, je sais pas, vion blanc, je sais pas trop ce que ça va donner après, mais je pense qu'on va rester. Comment tu juges le niveau de ta table? Parce que c'est assez disparate en fonction des salles, des tables. J'ai deux bons joueurs, on va dire, mais j'ai la chance, ils ont perdu deux setups contre d'autres joueurs, donc du coup ils sont retrouvés assez short. Et les autres, c'est moyen plus, c'est pas, on n'a pas de gros fiches entre guillemets, c'est moyen plus, et voilà, c'est une table assez homogène quand même dans l'ensemble. On va prendre ton binôme, qui lui va moins bien, puisque Aurélie n'est pas encore là, elle arrivera un peu plus tard. Clément Mastracci, rapproche-toi un peu, ça va être plus simple. C'est dur, apparemment, nous disait Brian qui arrive à ta table. C'est super dur, ouais, super dur, tomber à 2750, là, on n'a plus trop le choix, là. On va falloir tout mettre. Ça change un peu des 500 de la CF que tu avais gagné en nombre avant la fermeture? Ouais, ça change un petit peu. En fait, c'est super chiant de faire 10 000 bornes et d'arriver. Je suis complètement carte dead. Le niveau est pas en plus extraordinaire, on va dire. C'est frustrant maintenant. On va essayer de remonter. Hein. On a encore un peu de jetons. On va essayer de remonter. Bah écoute, on espère te retrouver au dinner break. Ça serait déjà une première étape. Avec plaisir. Bonne chance. Merci Clément. Merci.